Bonsoir, bonsoir mes loulous, c'est Tonton Tomic. On revient sur Forza, et c'est pas parce que là on a une image en plein jour que ça va être le cas pour la course suivante. Car je rappelle qu'on est sur Nightfall Series, le championnat crépuscule, donc c'est clair, c'est en pleine nuit, c'est la course 3. Bon, bah de toute façon c'est toujours notre titine, et on y va. La course suivante a lieu au Nürburgring, utilisée comme piste d'essai par les constructeurs du monde entier. Alors cette course-là, c'est marrant, il y a une petite histoire sur Forza. Je vous la livre pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Et qui n'auraient pas fait le 5, en fait c'est une piste qui a été rajoutée. Elle n'était pas là à la base du jeu. Et ça a été cadeau. Et ça, j'ai trouvé ça très classe. Très agréable. Ce qui n'a pas été le cas de tous les de tous les jeux qui ont suivi. C'est plus que clair. Les ajouts en plus qui étaient souvent payants. Et ça, c'est bien dommage. Des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Enfin bon. Ok, on est pareil. Donc logiquement, je devrais reconnaître la course. Enfin, la piste. Mais bon, j'y ai pas tant joué que ça, parce qu'elle est arrivée quand même assez tard. J'avais lâché un peu. Ok, allons voir un peu. De toute façon, c'est en pleine nuit, donc ça va changer un peu la donne. Allez, c'est reparti. J'ai encore le flocon devant les yeux. Aïe, aïe, aïe. Je n'aime pas ce flocon, je l'ai vu un peu trop souvent sur la course d'avant. Allez, on va voir si je galère autant que sur l'autre course. Bim. Oh là là, et lui, il passe devant. Quand je disais que je n'aimais pas les flocons, putain de merde, c'est là. Chiant ligue. Ok, super, ça commence rude. Ok, on va y aller les copains. Vous voulez de la baston? On va se faire de la baston. Oh là là. Allez, vas-y, je freine, je les laisse partir dans la, en vrille. Comment ils sont violents. C'est un vrai fait d'artifice pour commencer, les gars. Hein. Je voulais pas à dire. Allez, ça continue. Oh, tant mieux, hein, vous me faites gagner des places. Mais il faudrait qu'il arrête de me pousser. Quel fils de pute. Quel fils de pute. Quelle bande de fils de pute. Pardon. Oh là 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 là. Mais n'importe quoi. Ah, je suis obligé de gueuler, désolé. Ah, un peu saturé. Oh la vache. Putain. Alors là, vas-y la remonter. Ça va être n'importe quoi. On y va, on y va, on y va, on y va. Oh, comment ils m'ont emballé derrière. Oh là, mais quel début de malade. Mais vous êtes des psychopathes, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes adapté sur ma conduite, sur la course d'avant. Allez savoir, allez savoir. Allez, ça continue à me pousser derrière. Oh, derrière. Oh là là là. Mais comment veux-tu. Quel début affreux. Plus qu'affreux, plus qu'affreux, plus qu'affreux. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. On va essayer de faire ce qu'on peut. De toute façon, c'est au moins pour reconnaître la course une fois. Mais là, j'avoue qu'en mode habile, hein, les mecs, ils sont mais destructeurs. Pas voulu se pousser de ma gueule. Des fois, ça va se demander si j'ai choisi la bonne bagnole, une Audi. Oh, si, quand même. J'arrive à faire des petits jolis trucs. Hop là. On va juste lâcher l'accélérateur pour faire une petite glissade sur le côté, c'est d'être de toute beauté. Du coup, j'ai pas perdu de vitesse, ça, c'est la bonne nouvelle. Ah oui, c'était ce fameux virage tout pourri. Je m'en suis souvenu d'un seul coup. Voilà, là. Allez, ben ça passe, je sais pas. Ah. Allez, l'extérieur, non, tu veux pas. Allez, je te pousse, ma pouche, je te pousse, je te pousse. Voilà, demi-tour, toi, tu reviens pas. Allez, premier tour fini. Et je suis 12e. Bon, 13e. Enfoiré. C'est bourré de virages au début, ça c'est cool. Voir ce qu'on peut faire. Allez, j'en étais sûr qu'il allait me repousser. C'était calculé ça les copains, je vous assure, je vous jure. C'est pas le coup de peau. Je me suis dit, vu comment il va revenir, il va me remettre sur la piste, il va me repousser, c'était obligé. Aïe aïe aïe. Comment ils sont raides des virages, tu m'étonnes qu'on se cartonne ici. Bon, il y a déjà un peu moins de monde devant, ce qui fait que bon. Les échauffourées risquent d'être un peu plus soft.
Quoique, il y a encore pas mal de monde devant moi. Ça peut encore se jouer violent tout ça. Allez. Oh putain, non, non, je déteste ça, je déteste ça, je déteste ça. Quand vous chassez comme ça, en plus c'est pas gentil, c'est pas récompensé quand tous les risques, quand je vois tous les risques que je prends pour essayer de remonter. Non, c'est pas bien ce que vous faites les gars. Je me plaindrai. Oh, allez, et vous êtes obligé de vous laisser aller quand c'est comme ça, parce que sinon c'est clair, vous dégagez. Je ne fais pas une belle course hein, pour commencer. Ah, ça m'énerve. Bon. Allez, concentre-toi plutôt que de te plaindre. C'est toujours des sensations, c'est ça qui est bon. C'est du Forza. En plus, je sais comment on fait faire. Hein. Ce qu'il faut, c'est essayer de rester le plus longtemps collé au cul possible. Et puis après, d'un seul coup, vous déboîtez et zoom. Vous les passez d'un seul coup, d'un seul... Oh, il y a encore l'autre avec sa couleur de merde, là. Alors moi, s'il a pu choisir un rouge pareil. Franchement. Oh, c'est pas mal. Si j'en gratte deux là sur ce coup-là, ça ferait plaisir. Allez, ouais, ça fait plaisir. En plus, j'arrive bien rapide là-dedans. Ah non, non, mais non, mais non. Tiens, allez, mais merci. Merci, merci. Je le savais, je le sentais que l'autre, il allait me pousser. C'était prévu d'avance, ça. C'était prévu d'avance. Je l'ai vu arriver là, la mine de rien, avec sa bouche en cœur, enfoiré. Putain, décidément, dès que je vois le rose, je sais pas, je passe en mode. Je sais même pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, en mode pas de chance. Je prends la Shkoumoun direct. Incroyable. Incroyable. Ah, oh, c'est pas vrai. Allez, poussez-vous là, tous les deux. C'est bon, cassez-vous. Putain, mais pourquoi? J'ai plus envie. J'ai plus envie du tout. Faudrait que je revoie la vidéo, je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a poussé au cul, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais alors, allez savoir quoi. Voilà, j'avoue là. Non, je suis dégoûté. J'ai carrément toute envie de recommencer. Tiens, ou alors, attends, tiens. Tiens, ça. Là. Bam! Tiens. Voilà. Et bam! Voilà. Fallait que je passe mes nerfs. Et je me demande si je vais pas y retourner. Sérieux. Du coup, t'as vu, là, il s'est tapé le mur, il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'a envoyé dans le décor, il m'a tué. Oh, dégoûtant de théâtre, t'en m'as tué. Je l'ai en ligne de mire. Ne vous inquiétez pas, ça va recommencer. Allez, bim. Ah, le terre-plein, merde. Mal calculé. Oh, j'aurais dû l'emmener dedans. Acharnement, je le dis. C'est la piste uniquement pour ça, pour rigoler. On y va. Mais je vais te rattraper. Mais si, tu me vois dans ton rétro, là. Tu me vois dans ton rétro. Je suis derrière toi. Ça me fait penser à un film qu'il va falloir que je vois absolument. Avec Kurt Russell. Je crois que ça s'appelle Boulevard de la Mort. Histoire de bagnole et tout, qui a l'air complètement délirante, cette 40 de Quentin Tarantino, il me semble encore. J'adore ce mec. Je suis sur toi. Oh non, ça m'a ralenti grave. Je pensais que c'était de la route. Ça m'a fait plusieurs fois. Je trouve que cette adhérence, c'est bizarre. Il y a un truc bizarre dans l'adhérence. C'est la même couleur, ça ressemble, c'est comme le Canada Dry, quoi, tu vois. Mais ça n'est pas du bitume, c'est un truc bizarre. On a mis du slime dessus, truc extraterrestre. Oh bah, c'est pas moi qui ai été poussé, mais là c'est moi. Voilà, je voulais le faire au moins une fois avant le virage, avant que tu t'en ailles. Si ça se trouve, je vais même pouvoir le faire une deuxième. Est-ce que je vais pouvoir encore le faire une dernière fois? Ça me semble possible, les copains, allez. On le pousse au cul. On l'aime pas, on le déteste, on le hait jusqu'à la centième génération. Ah. Et tac, juste avant la ligne d'arrivée, je me remets à reprendre. Ah non, allez, on va laisser jusqu'au bout. Oh mon dieu.
j'aimerais bien voir la tête de Tarkes. Quand je vois la tête de la mienne. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah bah j'ai quand même gagné un tirage sur ce coup là. Tiens, allez, on va prendre. Oh, McLaren. Bon, bah ce sera une Toyota Supra. 38 000, ouais, c'est pas la meilleure, c'est pas la moins bien. Mi figue, mi raisin. Voilà, on va dire. Parce que j'avais quand même 150 000 crédits en haut à droite, ça m'aurait bien plu, mais bon. Et on avait aussi du 12 000, du 10 000 et du 25 000. Bon, allez. C'est vrai que j'ai fait un début tellement fort dans les autres vidéos. J'ai eu un pot monstrueux, ça pouvait pas durer, allez. Ouais, on va recommencer. Qu'est-ce qu'on fait? Je recommence direct, on fait une mini-pause. Allez, on fait une mini-pause et je vous reprends cash parce que ça a été tendu. A tout de suite. Hop, y allez, je voulais enquiller sur la course suivante, mais quand je vois l'état de ma caisse, bon, je faisais ma pause. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de revoir la vidéo. Allez, c'est parti. On va rigoler un coup parce que c'est vrai qu'elle était tellement violente. J'ai hâte de voir un peu ce que ça a donné sous différents angles. Parce que là, c'était du gros gros n'importe. C'est-à-dire que les espaces, ils sont pas bien larges. Alors, un tas de bagnoles au début, c'est un bordel. Ben voilà. Alors, mais c'est encore lui, hein. C'est encore lui qui m'a pourri le début, là. C'est encore ce connard. Incroyable. Je vous dis qu'il me porte Flash Moon. C'est infernal, quoi. Oh, j'en suis tout retourné. N'importe quoi. J'avais déjà pris quelques pets, là. Ça se voit. Blam. Et là, je me rapproche de lui. Vous allez voir, je vais avoir encore une merde. Oh là là. Ah bah oui, mais là, mais vas-y. Il m'a carrément retourné. Qu'est-ce que tu veux que je foute? Pas grand-chose. Pas grand-chose, ma foi. Là, c'est le jeune qui me remet sur le droit chemin, comme si c'était mon pote et il était d'un petit coup d'aile. Allez, vas-y, te laisse pas avoir, continue. Et la fouet? Ouais, bah, la fouet, je l'ai pas eu bien longtemps. Hein. Je l'ai pas eu bien longtemps. Oh. Ouais, je m'acharne. Et j'ai pas assez de puissance moteur, hein, c'est fou. Parce que dans les virages, je devrais bomber, quoi, par rapport à eux. Enfin, je bombe un peu, mais bon. Bah, je prends son cul et puis voilà, ça me fait chasser. Aïe, aïe, aïe. J'arrive pas à avoir une belle ligne droite. Bon, c'était la première course de la soirée, hein. On va essayer d'excuser, mais bon. Bon. Ce qui est terrible, c'est surtout la fin. La vengeance. Ah, je tente, hein. Je suis cul à cul, c'est ouf. C'est ouf. Voilà. Tiens, je le pousse. Ça accroche, mais je continue. J'en ai passé un. Je sais plus à quel point, à un moment donné, ça a merdé encore. À mon avis, quand je reverrai le rose rouge, j'ai appelé ça le roge. De rouge et de rose, assez improbable. Ça fait même pas Barbie, c'est bâtard comme couleur. J'aime pas du tout. Moi qui suis un tantinet artiste, hein, j'ai fait 4 ans aux Beaux-Arts de Rennes. Non. Nah. C'est pas une couleur, ça. C'est un truc qui sort dans le sazo. Une couleur un peu pastel, du fuchsia pastel, là. Du fuchsia. J'invente des mots ce soir. Allez, oh, j'ai envie de me pousser au cul, mais je connais le résultat. Pourquoi donc? Oh, j'ai donné un petit coup de frein, là. J'étais désespéré. Est-ce que ça merde dans son bois? Ah, il est là, ça y est, il est là. Eh ben, ça va merder. Putain, il a dû s'acheter une bague de malchance sur Diablo 3. Il l'a
transférer via son compte direct sur Forza 6, un truc de porc. Je vois plus avec ça, voilà, j'ai chassé, c'est mort. Je sais pas. Je sais pas, j'ai chassé du cul. J'ai lâché un gaz. On va dire. Là du coup j'étais méga vénère là. Il est où le rouge qui va manger? Il est juste devant. Là, j'étais en mode vengeance là. Plus la voiture toute 4 bossée, toute noire, tu sais, à la Freddy presque. Freddy Krueger. Je suis ton pire cauchemar. Salut toi. Qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est pas encore là. Ah bah du coup il m'a mis le doute. Il est où le rouge? Surtout que j'ai pas fait attention à la relation, tu sais. Ma couleur, noir, je suis un taureau. Et j'aime pas le rouge. Ah bah toi c'est déjà c'est toi qui commence. Ah ouais mais là c'était la mort. Ah oui c'est là que je me suis vénère. Oh là là comment j'ai fait demi-tour vite fait mais. On a du style mais oh là là, je suis pas content du tout. Allez vas-y ma poule. Ce coup-ci t'as plus rien à perdre, oh, vas-y mange-toi. Je m'attends à la suite quoi. J'avoue quand je l'ai poussé contre le mur c'était trop puissant. Je suis où je suis. Oh là 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 là, comment je suis passé? Et là je me suis revautré. T'es sérieux? Oh, je me rappelle même plus. Deux fois quoi. Ah bah tu m'étonnes que j'étais vénère après. J'étais persuadé que c'était après le premier coup. Ah ouais non mais j'ai trop mangé sur cette course. Ah là bah ouais, elle était là le rouge. Bien, voilà, allez. Oh regardez-moi ça. Non mais c'est pas vrai. Oh the devil. The devil. N'importe quoi. Et c'est pas fini en plus. Nisté, je l'ai pris en chasse. Là le jeu il a plus la même saveur. C'est plus pareil, c'est plus la même. Je ne suis plus un winner, je suis un killer. Allez, je repoussette, mais du coup là j'ai mal fait. C'est dommage, j'étais pas loin de le percute en plus. Il manquait une ch'touille. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Là, je remets un petit bout de temps quand même avant de le récup, le gars. Là, du coup, il s'est mis en mode flippette. Je me suis dit, ah non, mais il m'en veut à moi particulièrement. Et c'était tout à fait vrai. Allez, allez, allez. Oh non. Oh, je donne tout ce que j'ai, hein. Je donne tout ce que j'ai, juste pour le rattraper. C'est ouf. J'aurais fait ça pour la course, peut-être que ça aurait mieux marché. Mais non, je pense pas. Hein. J'ai vraiment joué de malchance. Voilà, là, puis je reprends l'herbe. Je voulais le mec, mais hein, du coup, je chasse de partout. Ah bah, quand vous prenez le premier truc, généralement, c'est la suite. Hein. C'est en série. Sur cette piste-là, tout du moins. Mais bon, je vais finir par la connaître un peu mieux, de mieux en mieux. Hein. Je dis pas que je vais gagner sur le prochain coup, mais bon. On va espérer que c'est un peu mieux. Et du coup, là, j'entends mes pneus et tout, c'est n'importe quoi. Ah, voilà, voilà, voilà. Oh là là. Je me suis sacrifié rien que pour le toucher, l'autre. Mais j'étais pas loin, là. Ouais, j'étais vraiment pas loin. Je crois qu'il se prend une dernière claque. La poussette. Incroyable. Boum. Bon bah voilà. Ça c'est fait comme dirait l'autre. Bon. Ben on va recommencer. Hein. On n'a pas le choix. Mais bien marrant quand même. Allez, à tout de suite. Et ça va repartir. Cache.
Allez, daï, daï, daï. C'est reparti pour un tour. Oh, on va commencer course. Pardon, ça me gratouille. Autant se gratter maintenant plutôt que pendant la course. Ça ne serait pas une bonne idée. Faut pas lâcher la pression. Non, non, faut pas la lâcher. Allez, bim. Première cible. Bangerman. Hop là. Une autre devant moi. Attention, premier virage, première merde. Allez, poussez-moi, c'est ça. Voilà, bonne idée les mecs. Merci. Merci bien. Sixième. C'est pas moche. Peloton de tête pour éviter de se faire percuter. Oh, mais tous ces virages au début, ça fout une merde. Voilà, autant se donner un coup de frein, c'est pas grave, plutôt que de partir dans le terre-plein. Les autres, ils commencent à être détachés derrière, c'est parfait. Allez, je fais l'extérieur. Voilà. C'est plus intelligent comme course là. J'ai réfléchi. En plus de voir la vidéo, voilà, ça m'a remis un peu dans l'esprit du truc. Ça m'a permis de voir mes petites erreurs et de ne pas recommencer les mêmes. C'est parfait. Pour l'instant. Ah oh, putain, je l'ai pas eu. Ah, j'étais pas loin pourtant. Hein. Mais là, il a fallu que je lâche. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix du tout. Allez, l'intérieur, ça passe. Foiré. Tu freines, parfait. Moi, je freine pas. Allez. Ah, oh, le con, il me repasse devant. Bravo, bien joué. Allez, on va faire la poussette là, tant pis. Oh, heureusement que j'ai tout lâché. Ouh. Reste pression, il remonte le connard. Oh, allez. Bon sang. Les trois premiers, je rappelle, les trois premiers, sinon ça ne passe pas. Allez, de toute façon, on est qu'au premier tour et je suis quatrième, c'est très bien. C'est une autre course qui commence. Rien à voir avec la prime, ça. Allez, une petite poussette dans le tas. Allez, oh, tant pis pour le premier. Allez, c'est pas grave. On va pas se foutre en l'air parce qu'on veut se taper aussi le premier d'un seul coup. Allez, pas mal. C'est long. Et je suis prime, j'ai plus qu'à gérer mon avance. Oh, allez, maintenant, speed. Speed, ma poule, lâche-les complets. Hein. Allez, vas-y, va. Oh là, j'ai failli déconner dès le début. Allez, ça va reprendre, c'est pas grave. Oh là, le virage. Je suis en pleine pression là. Je suis tellement content de moi, faut que je me calme. Je touche le bord, mais ça repasse. Virage de malade quand même. Je suis pas très fan de cette course, je vous avouerai. Enfin, de cette piste, je veux dire. Il y a beaucoup trop de danger. Mais là, je suis pas trop mal. Je crois que je commence à leur mettre un peu de distance. Ouais, quand il n'y a personne qui vous gêne devant, hein. Le virage, c'est beaucoup plus cool. Hein. Si vous les prenez bien. Allez, wow. Ça va, ça passe tranquille. On est qu'au deuxième tour. Hein. Il va pas falloir lâcher du tout. De A jusqu'à Z, c'est ça qui est le plus dur. Je regarde dans le rétro, je vois plus grand monde là, si ça y est, ils arrivent. Voilà, oh, il est bien ce virage, il est très bien. Super bien négocié, virage parfait, voilà, ils l'ont affiché. Je le sentais que c'était bien. Allez, non, déconne pas. Allez, on lâche pas l'accélérateur, on est toujours dedans, on est bien, virage correct, c'est cool, merci. Allez, à droite, oh là.
Je suis tendu. On va bientôt s'approcher du checkpoint, on va dire. On se prend l'herbe, c'est pas grave. On maîtrise, on maîtrise. Allez, voilà. Allez, un bon gros truc à droite. Surtout pas se prendre le bord parce que sinon là, c'est stop et net. Et miam, 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 miam. Tu vois tous les autres te passer devant la gueule allègrement. Ah, je commence à mettre une bonne distance quand même. Regardez ça sur la flèche. En plus, vu qu'il y a une bonne accélération, là, ça va être clair et net aussi. Car celui-là, tout à l'heure, j'ai un peu mal négocié. On va voir. Voilà. Non, ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, j'ai pris encore de l'avance sur ce coup-là. Du coup, là, on va pouvoir se détendre un petit peu. Et moi je me dis à chaque fois je vais finir peut-être un jour par être blasé par Forza, on se détend et tout. Style ouais, ouais c'est une course comme une autre hein, tranquille. Mais non. Chaque course c'est la même tension. Mais c'est la même tension. Oui. Allez, allez, voilà. Après on rétablit doucement. Et on va refoutre un bon coup sur la droite. Voilà. Oh là là, ne chasse pas, voilà, tant pis, c'était pas top, mais ça passe correct. Allez, bien, je suis en train de leur mettre une vue, j'ai l'impression, je regarde même plus derrière moi, vu que je suis à fond là sur les petites lèches. Voilà, et ça continue. C'est une vue monumentale maintenant. Hein. Un coup tu me vois, un coup tu me vois plus. Voilà. Alors, tranquille. Ne t'énerve pas. Voilà, tu lâches, ça passe. Voilà, c'est bien ma titine. Bah oui, c'est bien. Et on se rapproche de la fin. Pas le moment de déconner. Voilà, allez. J'aurais pu y aller moins vite hein, quand même vers la fin, mais bon. Là, vu que je suis à donf, ça passe nickel. Là, au moment, je vois pas comment je pourrais me planter à part sur ce truc-là. Voilà, je m'en éloigne exprès. C'est pas grave. Allez, dernière ligne droite. Ouais. Oh la vache. Et ils sont noirs là. Ils sont très loin. Je les vois même pas dans ma rétro là. Ah si, ça y est. Au moment où je passe l'arrivée, tu sais. Bim. Wouhou. Eh ben. Et regardez un peu la tronche de ma bagnole. J'ai l'impression qu'elle a pas trop morflé. Hein. Course méga propre. Super propre même. Allez, niveau d'affinité. Ouh, j'ai bientôt passé 3. Nouveau rassemblement déverrouillé. Oh, sympa. Ah, j'aime bien les petites épreuves. Ça permet de changer de bagnole, cash. Allez, ben on va y aller. Hein, épreuve de rassemblement. News. Mince, du coup, j'aurais dû lancer le truc. Je sais pas lequel c'est, du coup. J'ai eu ta flûte. Et marqué quoi? Ah si, c'est bon durant autocross, c'est le nouveau, il y a marqué. C'est marqué dessus comme le port, salut. Sinon, il y a aussi le Top Gear Stig 1-1. On verra bien. En tout cas, on va aller autocross bon durant. In Bondurant Autocross, the idea is to make it around an agility course. Oh là, je vais pas être très bon là-dessus. The course is outlined with cone gates, which you must not hit, or you will get a time penalty. D'accord. It's an exercise in composure, surgical driving, and the ultimate test of your handling skills. Don't forget that sometimes slower is better. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il nous file comme bagnole pour ça? Corvette. Là, bah, c'est obligé. Ok. La course suivante a lieu au Circuit of the Americas, avec ses virages larges favorisant les dépassements. Des virages larges, ça c'est cool, ça a changé de Nürburgring, je sais plus quoi. Même le nom c'est barbare. Ah puis c'est bien parce qu'on sort de la nuit un petit peu, ça fait faire un petit peu de fraîcheur.
Parce que là, c'était anxiogène là, en pleine nuit, juste avec les phares, la visibilité, bouh, bouh, bouh. C'est pas ça. Donc c'était limite stress. C'était pour limite, c'était carrément stress. Donc, je suis pas fan des sticks et puis de la couleur, mais bon. Encore, il y aurait juste vous la allez couleur. Piloter la Chevrolet Corvette Z06 de 2015. Tirez parti de la puissance du V8 compressé dans les lignes droites et n'en faites pas trop dans les virages serrés. Bien, madame. On va faire tout ce qu'elle a dit. Ok, bon, bah alors, c'est bien ce qu'on disait. Voilà, va falloir éviter, être braqué et tout. Waouh, waouh, waouh. Et c'est parti. Je m'accélère sur le malade. C'est une Corvette. Hop là. On va essayer d'éviter le plus tôt tant que possible. Oh. D'accord. Oh la vache, mais vous me faites tourner comme des tailles. Comment veux-tu que je fasse en deux spins? C'est chaud. Tendu sur, tout tendu sur. Disons qu'on va profiter de son accélération parce qu'elle est plutôt bonne. Et hop là. Oh la punaise. Je sais pas si je suis bien, hein. Je me rends pas compte encore pour l'instant, on verra l'arrivée. En tout cas, j'arrive à passer toutes les portes sans les toucher, ça c'est bon. Je suppose qu'on a des pénalités en plus si on touche les guidons, donc on va essayer d'éviter tant qu'à faire. Ah, oh, ça me gratte le nez, non, 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 pas maintenant. Ah, faut que je tienne, faut que je tienne. Ah, oh, enfant. Enfoiré, oh putain, ça gratte, c'est une horreur. Ok, tiens bon. Oh putain, non, lâche-moi. Ah, c'est de la concentration utile là, je jure les copains, c'est. Ah, c'est gore. Oh là là, pénalité, j'ai touché. Je suis vert, tout simplement à cause de mon pif, hein, je vous jure, c'est une horreur. Et pourquoi, porte franchie, c'est bon, c'est cool, ça roule, allez. Ah putain, lâche-moi, pif de merde. Surtout c'est pas au niveau du... Enfin c'est au niveau du pif mais plus vers l'arcade. Ça chétouille. Quelle horreur. Quelle horreur. Oh putain, tu peux pas me lâcher du tout, hein. Bon d'accord, ok, je tiens bon. Je vais me gratter, mais ça va être gore à l'arrivée. On est encore loin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est de la torture. Ah, freine, oh putain. J'ai rien touché, oh j'y crois même pas. Ça va, j'ai que 5 secondes. Ah, j'ai l'impression que ça passe un peu la démangeaison, mais c'est pas encore ça. J'ai débloqué un badge quand même. Cool. Oh la vache, mais non. Allez, pénalité plus 5, désolé. Ah, je pouvais pas là. Oh, dommage, j'étais à l'arrivée en plus. Ah, c'est manche. Ah, gratte-toi. Ah, merci. Ah, c'est bien la première. C'est rare quand ça m'arrive, ce genre de conneries. Ah, ça passe même pas. Ouais, bon, bah, c'était une petite course histoire de dire. Hein. Continuez carrière. Allez. La course suivante a lieu au Sebring International Raceway. Circuit idéal pour les essais hivernaux. Grâce au climat floridien et à son revêtement exigeant. D'accord. Un revêtement exigeant, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire on dérape ou alors ça accroche à mort? Bah, le mieux c'est de tester, hein. Allez. Ah, c'est la dernière course, faut assurer. Comme celle d'avant, c'était bien. C'est juste que le début, voilà. Essayer de bien contrôler sa caisse et puis de laisser les autres s'entrechevaucher. Histoire de gagner des places, vite fait. Allez, c'est parti, on est chaud, on est bouillant. Et ça va déchirer.
général, ça déchire. Et encore le flocon. Alors, voyons voir, il y a de la courbe, il y a une ligne droite d'abord. Très bien. Là. Ah non, non, non. Hop, 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 hop. On se calme, on se calme, on se calme. Ah, du coup, il y en a qui vont passer. Mais il y a une courbe. Oh putain, je suis arrivé, j'ai pas compris, ils ont freiné d'un coup. Non! La couleur qui tue! Le rouge, le rouge! Et voilà, c'était sûr. Ah putain, j'en étais sûr. Mais c'est incroyable. Dès que je vois cette caisse, c'est la de merde. Incroyable, 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 incroyable. Bon allez, c'est que le début, calme-toi, calme-toi. Reste concentré, mais bien sûr, reste concentré et va dans l'herbe. Yes! Ah, pas de souci. Et je suis 13e, est-ce que ce serait le signe? Est-ce que ce serait un signe? C'est pas bon. Pas dire que je suis superstitieux, mais bon. Allez, bim. Voilà, 11e, ça, je préfère. C'est déjà mieux que ça. Et quel début encore. Allez, à gauche, oh, c'était beau ça. Du coup, j'ai pas perdu de vitesse. Parfait. Déconne pas, déconne pas, déconne pas. Ça remonte, ça remonte. Putain, lâche-moi. En tout cas, c'est une course, ouais, quand même. On peut essayer de faire quelque chose, de remonter. C'est tout à fait faisable. Si on vous passe pas dans l'herbe, putain de merde, comment j'ai géré ça? Allez, il recommence en plus. Il recommence. Oh, je suis 6e. Bien! Il y a 3 tours à faire. Et on finit en feu d'artifice et ça c'est génial. Allez, l'autre il est à loin droite. J'ai failli chasser à cause de lui, saloupio. Mais ça va, j'ai maîtrisé. Eh ben dis donc. Je me demande si ça va pas mériter un petit replay là-dessus. Mais bon, déjà il faut que j'arrive au moins dans les trois premiers. Est tout à fait gérable vu qu'on n'a même pas fait un tour. Ah, ça y est, je vois le petit icône jaune. On va me dire ça va être bon. Oh, il y a un gros virage au bout. Ça donne une dernière chance en plus. Ah, c'est clair. Si vous le prenez bien. Oh putain, vous prenez de la vitesse. Vous pouvez faire quelque chose grave. Mais bon. On va pas s'exciter vu qu'on est qu'au premier tour hein, et je suis déjà 5e. C'est très très bien. Ne nous plaignons pas, ne nous plaignons pas. Il y a quelque chose à faire sur cette course, je vous le dis. Allez, ah là là, le salaud, il me passe devant. Allez, oh non, booster ! Mais le canon foiré. Allez, hop, là, je suis plein de bourre et je te passe. Les autres aussi. Allez, il y a un petit S, ça me va très bien. Et encore un autre. Ah, ça... ah, il l'a bien pris lui aussi, mais bon. Je pouvais pas aller plus à droite ni à gauche. C'est peut-être à compliquer. Mais je suis 3e. 3e, ça monte, ça monte. Oh là 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 là. J'ai pris son aspiration, mais là je la lâche. On va essayer de le prendre d'intérieur. Allez, pousse-toi. Il va me toucher, non. Il ne touche pas. Je suis 2e. Allez. Et on passe à la orange. Allez, vas-y. Un gros virage. On le prend bien, on le prend bien. Ça rétablit en douceur. On perd pas de vitesse. Je vais t'avoir, allez, encore un virage. Bim. Ah non, ça marche pas. Attention. Allez, je le passe. Je suis premier, il me pousse, il me touche, je le vois, que t'es juste à ma gauche. Lâche-moi. Allez, ça passe, oh la vache, je l'ai lâché les copains. Allez, maintenant, on gère tous les virages. Que ça va, ils sont pas super dangereux ceux-là. Ça devrait le faire, on devrait se la péter en un coup. Allez, reste concentré ma poupoule. On est qu'au 2e tour, il y a encore un tour entier à faire. C'est pas le moment de lâcher, mais c'est vrai que là les phares, je les vois déjà assez loin.
Ça, c'est plutôt bon signe. Ils vont pas pouvoir prendre mon aspiration si je me démerde bien. Si je me démerde bien. En fait, il faudrait que je me renseigne un peu sur les réseaux pour savoir à quelle distance on prend l'aspiration d'une bagnole. Ça, je suis très curieux. Parce que des fois, je me mets derrière eux, je me dis, ah, j'ai l'impression qu'il y a, mais je suis pas toujours sûr. En tout cas, là, je commence à prendre un peu d'avance. Et là, il y a pas mal de virages en plus. Alors, si je lâche pas l'accélérateur et que je me démerde bien, ça devrait le faire, mais en douceur. Enfin, en douceur. En pression, mais en douceur. Allez, à gauche. En tout cas, ça fait des bonnes vidéos. Je suis bien content. Il y a pas mal de personnes qui commencent à me regarder. C'est rigolo. J'ai toujours dit que je le faisais pas pour ça, mais... Attends, regarde, ça fait plaisir, c'est clair. Ça fait zizir. Allez, un bon coup à droite. Voilà. Allez, zou, on se prend le bord, c'est pas grave, ça nous ralentit, c'est ce qu'il faut. En tout cas, je sais que même outre-Atlantique, hein, on regarde ma vidéo. Enfin, mes vidéos sur Forza, hein, ça c'est clair. J'ai eu deux postes sympas. Ils me remerciaient pour la vue que je prenais. Vu la première personne, ils trouvent que c'est assez délirant. Oh, il ne peut pas y en avoir tant que ça qui joue avec cette vue-là, mais moi, je la kiffe. Hein. C'est un truc de malade. Je l'adore. C'est avec celle-là que j'assure le mieux. C'est vrai que ça fait une pression. Ça, c'est clair. Avoir les nerfs bien accrochés. Je suis sûr que si je remettais la vue intérieure, on a l'impression que ça va deux fois moins, voire trois fois moins vite. Alors quand je revois la course basique en replay, hein, c'est clair, c'est très joli. On n'a pas l'impression du tout que ça va aussi vite que ça. Alors que là, vas-y, regarde le sol et tout. Allez, on se rapproche de la fin, les copains, et c'est la dernière course. Cette petite série Paris Night, hein, qui m'a fait, était bien tripante. Allez, 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 ne chasse pas, ne fais pas le con, parce que c'est le dernier virage qui peut me mettre à mal. Un petit mur, par exemple, non, allez, tais-toi donc. J'ai dit que ça devait passer comme une fleur. Et là, pareil, je vais les voir juste à la fin. Non, j'ai même pas vu leur rétro. Allez, dans votre face. Parfait. Allez, bim. Allez, un succès, je m'en doutais. Homme à abattre. Tu m'étonnes. Vous avez mené sur 160 km. Ça devient port. Très bien. Ben, il aura fallu qu'une seule course pour me remettre dedans. Hein. C'est parfait. Allez, on a gagné un tirage. On va se faire plaisir avec le tirage. Pour une belle petite finition. Oh, putain. 2 millions la machine. 50 000 packs supérieurs. Ah, c'est pas mal les packs. Pack, pack, pack à la tech. Faudra que je teste un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Spécialiste freinage rare. Qu'est-ce qu'on a en rare? Science du constructeur. Et réduction de puissance lourde. Ouais. Eh ben écoute, c'est un truc à tester tout ça. Et je gagne un niveau d'affinité pour ma Audi. C'est que du bonheur. Et ben voilà, statut du championnat 4 sur 4. Parfait. Et ben du coup, je vais vous laisser pour ce soir sur Forza. Et je vais me rattaquer à un autre jeu. Vous allez voir, ça tourne peut-être surprise. Tchuss.